Bon, ben, je ne sais pas combien d'inscrits il y a, enfin combien il y a de personnes Oui. connectées. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on voit en ligne. D'accord, mais je vois qu'il y a déjà pas mal de gens connectés. J'espère que ça se passe bien, que vous voyez. Le premier transparent et que vous voyez le conférencier et Oui. moi-même. Bon, moi je vais couper ma caméra bientôt. Je vais faire une introduction Oui. rapide et puis ensuite je conseille donc aux participants d'intervenir après la D'accord. conférence par le biais du D'accord. chat, donc sur la D'accord. droite de la D'accord. fenêtre. Tous les participants pourront poster leurs D'accord. questions à l'issue D'accord. de la conférence. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je présente très rapidement Claude Hasanlul, qui a déjà fait une conférence il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, également sur la théorie quantique et de ses applications. Donc, Claude Hasanlul a fait toute sa carrière à l'université Pierre-Marie Curie. Qui est rattaché à Sorbonne Université maintenant. Il est professeur émérite. Au départ, il a fait ses recherches au groupe de physique des solides qui a été fondé par Pierre Aigrain et Philippe Nozière. Et ensuite, il a travaillé donc au laboratoire de physique théorique de la matière condensée, donc sur le site de Jussieu. Il a également enseigné sur les trois cycles de physique à l'ENS de la rue d'Ulm. Également à l'ENS de Cachan, donc surtout sur les applications de la mécanique quantique à la physique et aux mathématiques. Donc ses thématiques de recherche sont la physique statistique, le mouvement brownien, le transport en milieu aléatoire, la diffusion des particules en interaction, donc la mécanique quantique, l'électrodynamique des chaînes organiques, le travail sur les polymères conducteurs. Bon, je vais arrêter la liste, ce sera trop longue. Je veux finir pour préciser qu'il est l'auteur de deux ouvrages, l'un paru en 2016-2017 chez Debeuc Supérieur, l'édition Debeuc Supérieur, qui s'intitule Des mathématiques pour les sciences sur deux tomes, donc tome 1, tome 2, et La mécanique quantique en trois tomes chez le même éditeur, paru en 2015. Je termine en précisant qu'il y aura une autre conférence sur le même principe, donc webinaire, j'espère avec un système également solide pour que tout le monde puisse la suivre. Ça s'intitulera L'astronomie en Antarctique, la mission Émilie,
qui s'est déroulée au pôle Sud en 1984. Et c'est Jean-Michel Lamarre, qui est chercheur au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère, au LERMA, qui dépend de l'observatoire Paris-Meudon. Et ça sera le mardi 23 juin, à la même heure, à 11h. Voilà, je laisse la parole à Claude et rendez-vous tout à l'heure pour les questions. Merci Yves pour à la fois l'invitation et la présentation. Je vous dis bonjour à tous. Bon, je regrette évidemment de ne pas être présent physiquement, mais j'espère que cette formule néanmoins permettra un échange fructueux et j'espère qu'on aura du temps à la fin, bien évidemment, pour un certain nombre de questions. Vous verrez que l'exposé n'est absolument pas technique concernant une discipline ou une science qui, au contraire, est extrêmement technique, mais ça, c'est un parti pris de ma part, compte tenu, je crois, de la très grande variété du public. J'ai mis à la disposition d'Yves un document beaucoup plus détaillé que vous pourrez télécharger, donc pour limiter ou réduire votre éventuelle frustration. Voilà, donc je vais vous raconter rapidement la construction de la théorie quantique. En réalité, c'est, pour bien faire ça dans le détail, en quelque sorte, il faudrait des heures. Il faudrait absolument des heures. Donc, bien évidemment, ça n'est pas possible. Le premier point dont il faut se souvenir, bien évidemment, c'est que, en gros, à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, les physiciens se sont trouvés dans l'obligation de construire une nouvelle théorie. Alors pourquoi? Auparavant, vous voyez, avant en gros 1860-70 par là, tout fonctionnait très bien. La théorie classique fonctionnait admirablement bien. Je vous rappelle, il y avait d'abord la mécanique et qui était fondée sur la loi de Newton et qui fonctionnait d'une façon absolument remarquable. L'exemple qu'on cite toujours, c'est la découverte de Neptune par Le Verrier à la suite de calculs très compliqués utilisant l'équation de Newton et formalisant ou quantifiant, en particulier, si l'on peut dire, les irrégularités du mouvement d'Uranus. Ça a permis de découvrir Neptune. Vous voyez que c'était un succès absolument fantastique. Il y avait la thermodynamique, donc, qui a été formulée par Carnot et Clausius, qui permettait de comprendre les propriétés thermiques des corps et qui, comme vous le savez, a joué un rôle absolument crucial au début de la révolution industrielle, puisque c'est grâce à la thermodynamique qu'on a pu fabriquer des machines à vapeur, hein, utilisables pas seulement pour se déplacer dans l'espace en train, mais également pour toute l'industrie. Et il y avait un troisième pan de la physique qui était l'électromagnétisme. Avant Maxwell, donc avant 1850 environ, on considérait qu'il y avait d'un côté l'électricité, de l'autre côté le magnétisme. Et c'est Maxwell qui a montré comment ces deux aspects, en quelque sorte, étaient en fait intimement liés et appartenaient au même corpus théorique qu'on appelle maintenant l'électromagnétisme. Voilà, donc ça c'était l'ossature de la physique avant, jusqu'à la fin du 19e, ça marchait remarquablement bien, mais... à partir de 1860 environ, on a commencé à observer des difficultés. Alors, je vais en citer quelques-unes. Il y avait d'abord la lumière des atomes. Déjà à l'époque, on était capable, avec des spectrographes, d'analyser très finement en fréquence la lumière émise par les atomes. Ce que disait la théorie classique, c'est que quand on balaye le spectre de fréquence, les atomes devraient émettre de la lumière dans toutes les fréquences. Ce n'est pas ça du tout qu'on observait. On observait ce qu'on appelle un spectre de ray, c'est-à-dire que pour un atome donné, vous aviez la lumière à un endroit, à un autre endroit, à un autre endroit, et rien entre ces différents endroits. Ça ressemblait, si vous voulez, un peu comme à un peigne irrégulier. Et ça, c'était incompréhensible. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque atome a son propre spectre, hein, c'est un peu comme un code-barre qui permet d'identifier l'atome. Vous voyez, par exemple, l'hélium, a été découvert par Angström en 1865, je crois. L'hélium, ça vient de soleil, évidemment. Et donc, évidemment, Angström n'était pas allé sur le soleil pour voir s'il y avait de l'hélium. Voilà, ceci pour dire que
La lumière des atomes est une chose extraordinairement importante, mais à l'époque, elle était totalement incompréhensible. Il y avait une autre vieille loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Dulong et Petit, 1819, qui vous disait qu'une certaine propriété des corps était indépendante de la température. Et en fait, on a commencé à la fin du 19e à pouvoir faire des expériences à basse température. Alors, ce n'est pas du tout comme au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était quelques dizaines de degrés en dessous de la glace fondante. Bien évidemment, aujourd'hui, basse température, ce n'est pas ça du tout. Et on s'est aperçu qu'à basse température, la loi de Dulong était fausse au sens où la propriété en question, qui était ce qu'on appelle la chaleur spécifique, descendait à zéro, enfin en tout cas décroissait quand on se rapprochait des basses températures, quand on rentrait dans le domaine des basses températures. Donc cette loi de Dulong et Petit, 1819, était visiblement fausse à basse température. Et ce qu'on a compris beaucoup plus tard en tout cas, c'est que cette décroissance de la chaleur spécifique à basse température, c'est en fait la signature de la quantification. Une autre chose qu'on ne comprenait absolument pas, c'est l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, vous savez ce que c'est? C'est on illumine une plaque de métal avec de la lumière et en s'y prenant bien, on observe l'émission d'électrons. Hein, c'est les panneaux photovoltaïques fonctionnent évidemment sur ce principe. Dans les caractéristiques observées expérimentalement de l'effet photoélectrique, on ne comprenait absolument rien. Absolument rien. Donc là, c'est une troisième difficulté importante. Alors, une autre difficulté de fond, c'est que l'atome est instable. Alors, pourquoi? Parce que bon, les images qu'on se faisait de l'atome, il y en a eu deux qui ont été proposées, c'est celle de Jean Perrin et celle de Thomson. Celle de Jean Perrin, en gros, imaginait un système solaire en miniature, c'est-à-dire qu'on a au centre de l'atome un objet tout petit qu'on a appelé après le noyau, qui est chargé positivement, et autour de ce noyau circulent des électrons. J'ai mis « gravite » entre guillemets, parce que ce n'est pas la force de gravitation hein, qui est en jeu, c'est la force de Coulomb. Donc, l'électron tourne autour du noyau, schématiquement parlant, mais comme il tourne, il a une accélération non nulle, et comme il a une accélération non nulle, il doit, puisqu'il est chargé électriquement, il doit rayonner. Et à partir du moment où l'électron rayonne, il perd peu à peu son énergie. Ça veut dire que l'atome ne peut pas durer à une durée de vie qui ne peut pas être infinie. Et en fait, quand on met des nombres dans le problème, on s'aperçoit que, suivant ces idées classiques, la stabilité de l'atome, l'atome a en gros une durée de vie d'un milliardième de seconde. Autrement dit, l'atome n'existe pas, ce qui est quand même très ennuyeux pour nous, parce que on est formé d'atomes et de molécules, qui sont formées d'atomes, etc. Donc ça, c'était une autre très, très grande difficulté. Il y avait, enfin, je garde pour la fin, l'un des problèmes majeurs qui était ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Vous savez tous qu'un corps qui était à une certaine température émet du rayonnement. C'est comme ça, par exemple, qu'avec une caméra infrarouge, on peut détecter la présence d'une personne. Autrement dit, tout corps à une certaine température émet un certain rayonnement électromagnétique. Les lois classiques conduisent à ce que Paul Ehrenfest a amené à la catastrophe ultraviolette, parce que à basse fréquence, les lois classiques donnaient des résultats à peu près acceptables, mais dès qu'on montait en fréquence, la courbe expérimentale s'éloignait complètement de la courbe théorique. Alors, Paul Ehrenfest a appelé ça la catastrophe ultraviolette parce que quand on fait la somme, l'intégrale sur tout le spectre, de zéro à l'infini en fréquence, on obtient une énergie qui est infinie et ça, évidemment, c'est une catastrophe pour le physicien. Un autre problème majeur, tout le monde sait que le magnétisme existe, hein, ça c'est bien évident, personne ne va nier l'existence du magnétisme. Or, si on a, comme l'a montré une élève de Bohr qui s'appelait Miss, c'est une dame, on appelle Miss van Leeuwen, cette dame a montré que quand on appliquait toutes les prescriptions de la physique classique, le magnétisme n'existait pas, il ne pouvait pas exister. Donc vous voyez, c'est quelque chose encore d'une difficulté absolument majeure. Voilà, donc ça, ce sont quelques difficultés qui ont
poussé les physiciens à se dire qu'il faut vraiment se gratter les neurones pour trouver autre chose, parce que plus on avance dans les expériences, et moins ça fonctionne, enfin, au moins au niveau, j'allais dire, atomique. Pour, à l'époque, c'était le domaine qu'on était capable d'analyser expérimentalement. Et en fait, ce sont les motivations qui ont conduit donc les physiciens à vouloir construire une nouvelle théorie. Et en gros, il y a trois décennies importantes, c'est 1900-1928. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Ça démarre avec l'hypothèse de Planck que je vais expliquer, et puis ça arrive à l'équation de Dirac en 1928. Alors donc, j'en reviens. Je vous avais dit que l'une des difficultés majeures, c'était le rayonnement du corps noir. Je l'avais énoncé en dernier, parce que précisément c'est ça qui va permettre d'articuler les choses. Planck, donc, était confronté au problème de cette catastrophe ultraviolette et il s'est mis à l'œuvre, il s'est mis au travail. Et alors, il a fait, on considère que c'est la date, le 14 décembre 1900, est considéré universellement comme la date de naissance de la théorie quantique. Et pourquoi ? Parce que Max Planck a fait une communication à l'Académie des sciences à Berlin, où il a fait l'hypothèse, c'était une pure hypothèse, hein, que les échanges d'énergie entre le rayonnement et la matière se font par petits morceaux qu'on ne peut pas couper en morceaux. Hein, des petits morceaux qui sont insécables, pardon. C'est ce qu'on peut appeler les atomes d'énergie, alors qu'auparavant, tout le monde croyait que les échanges d'énergie entre le rayonnement et la matière se faisaient de façon continue. Planck, non. Planck fait l'hypothèse que quand un oscillateur échange de l'énergie avec le monde extérieur, par exemple, il a une certaine fréquence nue, et Planck vous dit que l'énergie de l'oscillateur ne peut être qu'un certain nombre entier fois H nu. Alors, H, c'est quoi ? H, c'est la fameuse constante de Planck. Nu, c'est la fréquence de l'oscillateur. Alors, pourquoi Planck a été obligé de faire ça ? Il a fait ça. Alors, il faut savoir que Planck a considéré que son hypothèse, hein, la quantification des échanges d'énergie, était un pur artefact mathématique. C'est assez intéressant de lire la vie de Planck. Et jusqu'en 1917, donc, vous voyez, très longtemps après, il a cru que poser cette hypothèse, hein, l'énergie est quantifiée, c'était un artefact, quelque chose qui était une nécessité mathématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait besoin de calculer ce que les physiciens appellent l'entropie. C'est une notion extrêmement subtile. Peu importe, l'entropie, si vous voulez, c'est toujours plus ou moins ranger des boules dans des boîtes. Si vous voulez ranger des boules dans des boîtes, il faut que les boîtes soient de taille finie. Il ne faut pas que ce soit des tailles des boîtes de taille infiniment petite. Vous ne pouvez pas faire rentrer une bille dans une boîte qui est infiniment petite. Donc, Planck, pour son calcul d'entropie, avait besoin de ranger des boules dans des boîtes. Et pour ça, ces boîtes devaient être de taille non nulle. Et c'est pour cette raison qu'il a introduit la quantification. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a développé ses calculs, bien évidemment, c'est assez un petit peu compliqué. Il est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Planck, qui rend compte parfaitement de toutes les observations sur le rayonnement des corps chauffés. En deux surcroît, elle supprime la catastrophe ultraviolette et donc elle rend compte de tout. On avait été capable, avant la loi de Planck, on avait été capable de faire des mesures expérimentales assez précises qui avaient permis d'énoncer des lois empiriques qu'on appelle la loi de Wien, la loi de Stéphane et quelques autres. Bien évidemment, la loi de Planck explique parfaitement toutes ces lois. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure comme difficulté expérimentale, le problème de l'effet photoélectrique. Alors, l'effet photoélectrique, Einstein, dans l'un de ses papiers de 1905, c'est l'année merveilleuse d'Einstein, revient à une idée extrêmement ancienne, puisqu'on la doit d'abord à Descartes, puis à Newton, à savoir la lumière, ce n'est pas une onde, c'est une pluie de petits grains. En fait, Einstein ne dit pas « la lumière n'est pas une onde ». Bien évidemment, il était assez malin pour ne pas dire une bêtise pareille. Néanmoins, ce qu'on croyait à l'époque, c'est-à-dire « la lumière est une onde », Einstein fait en quelque sorte un pas en arrière pour en revenir à la conception de Descartes et Newton pour dire « non, non, la lumière, je vais considérer que c'est une pluie de petits grains
Ces petits grains, on les a appelés 25 ans. 20 ans après, Lewis a proposé de les appeler les photons. Einstein ne parle pas de photons, bien évidemment. Et ce que vous dit Einstein, voilà comment comprendre l'effet photoélectrique, c'est que quand j'ai une lumière de fréquence nue, chaque petit grain a une certaine énergie qui est de la forme E égale H nu. C'est-à-dire qu'il revient à la formule de Planck. Et l'interprétation, c'est de dire un photon, ou un grain de lumière plus précisément, tombe sur la plaque métallique, arrache un électron et disparaît. Ça a permis de comprendre pourquoi quelque chose qui était très énigmatique, qui était la chose suivante, c'est que quand vous illuminez votre plaque métallique avec de la lumière, si la lumière a une fréquence trop petite, il n'y a pas d'émission. Autrement dit, il existe une fréquence seuil en dessous de laquelle il n'y a pas d'émission photoélectronique. Alors, vous voyez que vient la formule de Planck et l'interprétation d'Einstein. Si la lumière a une fréquence trop petite, chaque grain de lumière est incapable d'arracher un électron du métal. Voilà, donc ça explique parfaitement tout ce qu'on avait observé à propos de l'effet photoélectrique. Donc vous voyez, Einstein, dans ce papier extraordinaire, qui est très court, d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'Einstein, dans le même papier, avant d'en venir à l'effet photoélectrique, qui est attaqué vraiment dans le dernier paragraphe de l'article, se pose des questions absolument fondamentales. Il se pose la question de savoir si on doit continuer à considérer que l'espace est continu. Est-ce qu'on doit continuer à supposer que le temps est continu? Donc, il questionne en fait la quantification, mais sur un plan extrêmement général, pas seulement sur l'aspect échange d'énergie, matière, rayonnement, comme l'avait dans le contexte des travaux de Planck. Alors, ça a donné lieu évidemment à une certaine effervescence. Les physiciens ne sont pas restés inactifs, hein, c'était quand même le début de la révolution quantique. Et notamment, on a été capable de faire des mesures extrêmement précises pour analyser la lumière de l'atome. Alors, c'était en fait, on avait une accumulation de données expérimentales sur les spectres des atomes, et c'est là que Bohr est arrivé. Le modèle de Bohr, c'est la première tentative théorique pour essayer de comprendre les spectres de Ray. Fondamentalement, c'est ça. Alors, ce que vous dit Bohr, c'est qu'il revient à un modèle planétaire de l'atome, c'est-à-dire un noyau au centre, tout petit, un 10 milliardième de 10 moins 15 mètres, qu'on appelle le Fermi, hein, c'est tout petit, petit, petit. Autour de ce noyau tournent des électrons, un dans le cas d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Mais au contraire de ce que prétendait la physique classique, Bohr vous dit: les cercles ne sont pas tous autorisés. Alors, pourquoi? Bohr fait une certaine sélection de tous les cercles possibles prévus par la mécanique classique, et il fait une sélection en réinterprétant de façon extrêmement subtile la relation de Planck E égale H nu. Donc, vous voyez, au lieu d'avoir une infinité continue de cercles, vous avez une succession de cercles séparés les uns des autres. Ce sont des trajectoires qui sont séparées les unes des autres. Ça a une première conséquence, c'est que l'énergie de l'atome est quantifiée, c'est-à-dire que l'énergie de l'atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Vous avez une certaine énergie, et puis entre le niveau d'après, vous avez une autre énergie. Entre ce niveau et le niveau le plus voisin, vous avez une quantité finie d'énergie. C'est donc à nouveau l'idée de quantification de l'énergie. Alors, ça a permis à Bohr d'expliquer de façon donc semi, je dis pas empirique parce que Bohr était un génie absolu bien évidemment, mais vous voyez sur des présupposés dont on ne sait pas trop d'où ils viennent finalement, parce que pourquoi dire que tous les cercles ne sont pas autorisés, pourquoi réinterpréter dans ce cadre la formule de Planck-Einstein, tout ça c'était très mystérieux, mais ça a permis de quantifier néanmoins, d'avoir une description théorique d'un certain nombre de spectres de raies atomiques. Le problème, c'est
Et ça a provoqué la colère de Max von Laue. Max von Laue, un génie aussi, lui, c'est lui qui a, ça a été le pionnier dans l'utilisation des rayons X pour la diffraction X pour sonder la matière. Alors, vous savez tous que on avait découvert les rayons X un petit peu avant, en 1896, c'était Röntgen, et Max von Laue avait montré comment, grâce aux rayons X, on était capable de mesurer avec une très grande précision les propriétés géométriques des solides, par exemple. Alors, pourquoi il s'est mis en colère? C'est tout simplement parce que, tout à l'heure, je vous disais, un électron qui tourne, il a une accélération. Comme l'électron est chargé, il rayonne de l'énergie, et comme il rayonne de l'énergie, il la perd petit à petit. Comme il la perd petit à petit, l'atome est instable. D'accord? Ce que Bohr vous dit, quand l'électron tourne autour du noyau sur les cercles que j'ai sélectionnés, l'électron ne rayonne pas. Alors oui, ça c'est une espèce de pétition de principe qui a provoqué précisément la colère de Max von Laue, parce que Max von Laue a dit les équations de Maxwell sont vraies en toutes circonstances. Ce sont les équations de Maxwell qui vous disent qu'un électron accéléré rayonne. Donc, le modèle de Bohr avait cette vertu explicative pour un certain nombre de spectres atomiques, mais était en contradiction flagrante avec les lois de l'électromagnétisme. Donc, c'était un premier pas important, bien évidemment, mais ça ne pouvait pas être le dernier pas, bien évidemment. Alors, bien évidemment, les physiciens se sont, entre 1913 et 1925, les physiciens ne sont pas restés les bras croisés. Il y a eu un certain nombre d'expériences cruciales qui ont accumulé les impératifs pour créer une nouvelle théorie, et on en est arrivé donc à 1925. Et vous voyez que la théorie quantique a été construite en 3 ans, donc finalement de façon extrêmement rapide. Le tout premier, ça a été Heisenberg. Il avait 24 ans. C'est assez extraordinaire d'imaginer que Heisenberg, à 24 ans, a construit donc la première formulation de la théorie quantique qu'il a appelée la mécanique des matrices, pour une raison que je vais expliquer, mais qui est déjà, on peut dire, c'est la théorie quantique sous sa forme achevée. C'est-à-dire que on a rajouté des équations après, on a développé le formalisme, bien évidemment, mais les équations fondamentales de la théorie quantique sont déjà dans le papier de Heisenberg. Et ce papier est intéressant parce qu'il, dans son abstract, dans le résumé de l'article, Heisenberg vous dit, fait un rappel méthodologique, il vous dit, le rôle du physicien, ce n'est pas de décrire la trajectoire de l'électron autour du noyau de l'atome, parce que ça, on ne l'a jamais vu. Et il ajoute même, c'est une préscience extraordinaire, on ne la verra peut-être jamais. Mais en tout cas, il dit, la physique, le physicien se doit d'expliquer, non pas la trajectoire, parce qu'on ne l'a jamais vue, on ne l'a jamais observée, mais elle doit expliquer la lumière des atomes. Donc ça, ça a été le rappel méthodologique extrêmement important de Heisenberg. Et je vous dis, c'est annoncé dès l'abstract de son papier. Et alors, l'observation, ça c'est l'observation qui est capitale chez Heisenberg, c'est la chose suivante, c'est que, donc, suivant Planck ou Einstein, donc, il y a une quantification qui implique des nombres entiers. Mais vous voyez que si vous considérez des très très grands nombres entiers, la différence entre n et n plus 1, elle est infinitésimale. Si vous prenez pour n un nombre qui est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards et des milliards, que vous prenez ce nombre-là ou un de plus, ou plus le même nombre plus un, bien évidemment, la différence est en quelque sorte infinitésimale. Autrement dit, quand on manipule des très grands nombres quantiques au sens de Bohr, par exemple, ou de Planck et Einstein, la quantification a tendance à s'évanouir, à s'effacer. Alors, une autre chose importante, c'est que la constante de Planck, quand vous l'exprimez dans les grandeurs dites du système légal, qui correspondent à peu près à des unités macroscopiquement ordinaires, le mètre, la longueur, le mètre, le kilo, etc. Cette constante H est absolument minuscule. C'est à peu près 10 puissance moins, enfin ça vous donne plutôt. Si je prends le problème, elle vaut 10 puissance moins 34 en unité MKS, mais je préfère le dire autrement. Si vous prenez une énergie qui est perceptible à l'échelle humaine, si vous prenez E égale NH nu, suivant Planck,
ça vous donne un nombre qui est absolument colossal, puisque c'est un nombre qui est égal à 1 à 10 puissance 74, c'est un nombre 1 suivi de 74 zéros. Ça, vous voyez, pour le physicien, ce nombre-là, on peut dire que c'est l'infini. On considère, on estime à environ 10 puissance 80 le nombre de protons dans l'univers, et les physiciens raisonnables disent 10 puissance 80, c'est le plus grand nombre qu'on puisse concevoir en physique. Voilà, donc H est minuscule. Donc, dès qu'on est au niveau macroscopique, les nombres sont colossaux. Et quand les nombres sont colossaux, entre n et n plus 1, il n'y a pas de différence. Là, pratiquement, on ne voit pas la quantification. Alors, ça, c'est une remarque d'ordre épistémologique, en quelque sorte. Mais bien évidemment, Heisenberg a été beaucoup plus loin. Alors, il s'est livré à une analyse mathématique extrêmement compliquée et d'une folle audace, parce que, si vous voulez, c'est une démarche où, à un certain instant, il fait ce qu'il a appelé lui-même dans ses souvenirs le saut dans le vide. C'est-à-dire qu'il a fait ça sans savoir pourquoi il devait le faire, mais il savait qu'il devait le faire. Et alors, il a des conclusions absolument extraordinaires, puisque la première d'entre elles, c'est que les grandeurs physiques sont représentées par des objets mathématiques dont la multiplication dépend de l'ordre des facteurs. Tout le monde sait que 3 fois 4 est égal à 4 fois 3. Eh bien, pour Heisenberg, les grandeurs physiques sont représentées par des objets dont le produit n'est pas, comme on dit, commutatif. Alors, l'exemple le plus élémentaire de ça, c'est ce qu'on appelle les matrices, qui avaient été inventées par Sylvester en 1850 environ. Et alors, vous voyez, par exemple, Heisenberg est arrivé à cette équation que j'ai écrite. Il y aura très peu d'équations, hein, mais j'ai tenu quand même à en donner quelques-unes. QP moins PQ égale IH bar. Donc, vous voyez, je fais le produit de deux objets dans un sens et puis dans l'autre. Et je trouve un résultat qui n'est pas égal à zéro. Alors, Q et P sont quoi? Bon, c'est la coordonnée et la quantité de mouvement d'une particule. Ce qui est extraordinaire, donc, c'est que cette différence n'est pas nulle. Au second membre, vous trouvez la constante de Planck. Alors, H bar, c'est la constante de Planck divisée par 2π, parce que c'est celle qui apparaît presque tout le temps. Et alors, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'en facteur, vous avez I, qui est le nombre imaginaire fondamental. Et en fait, cette relation a été réellement démontrée par Born, et Born raconte dans ses souvenirs que quand il est arrivé à ce résultat, il n'en croyait pas ses yeux. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'en physique apparaît une équation fondamentale dans laquelle les nombres complexes s'invitent de façon inéluctable. En physique classique, on avait l'habitude des nombres complexes, mais ça n'était jamais qu'un artifice ou qu'une commodité technique, c'est jamais au centre des équations fondamentales. En revanche, ici, en théorie quantique, selon Heisenberg, I apparaît, le nombre complexe fondamental apparaît de façon inéluctable. Donc vous voyez, il y a deux choses absolument ahurissantes pour les physiciens, la non-commutativité de la multiplication et l'apparition des nombres complexes. Ça, c'était l'été 1925, quand... Alors, bien évidemment, il ne s'est pas livré à des développements purement formels, il a fait des calculs avec. Hein. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a retrouvé, il a démontré la formule de Planck. L'hypothèse de Planck est devenue une conséquence des équations de Heisenberg. Donc, ça, c'était l'été 1925. Quelques mois plus tard, vous voyez, Noël 1925, Schrödinger, lui, a créé ce que lui a appelé la mécanique ondulatoire. Alors, Schrödinger, la démarche de Schrödinger est complètement différente. Excusez-moi, je bois un coup. Schrödinger est parti d'une analogie qui avait été remarquée par Hamilton. Ce n'est pas David, Hamilton, le grand physicien et mathématicien du 19e, qui avait remarqué vers 1850 une analogie tout à fait surprenante entre, d'une part, l'optique et d'autre part, la mécanique. Il avait développé ça dans des articles qui ont été publiés. Mais évidemment, Schrödinger est arrivé 75 ans plus tard, et Schrödinger avait ce dont ne disposait pas Hamilton, il avait pour lui E égale H nu, la relation de Planck, l'hypothèse de Planck. Et ça lui a permis de généraliser
l'analogie de Hamilton et de montrer que on sait bien que l'optique ondulatoire, qui permet de comprendre les phénomènes d'interférence et de diffraction, est une généralisation de l'optique géométrique qui ne fait que considérer des rayons lumineux. Donc, l'optique ondulatoire généralise l'optique géométrique, et ce qu'a montré Schrödinger, c'est qu'il devait exister une mécanique qu'il a appelée mécanique ondulatoire, qui généralise en quelque sorte la mécanique à laquelle on était habitué. Alors, la démarche de Schrödinger, là encore, est remarquable d'analogie. Enfin, c'est un raisonnement par analogie, à nouveau, en faisant des sauts dans le vide, en se reprenant. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire à lire. Tous ces papiers ont été publiés en français chez Gabay, donc je vous invite à jeter un œil parce que c'est absolument prodigieux. Schrödinger fait une analogie avec l'équation des ondes. Alors, l'équation des ondes, c'était bien connu de tous les physiciens à l'époque. Et il est capable, avec des acrobaties qui sont encore aujourd'hui stupéfiantes, hein, il est capable d'établir une équation qu'on appelle depuis ce moment-là l'équation de Schrödinger. Alors, je vous l'ai donné à nouveau, peu importe les symboles qui apparaissent précisément, mais à nouveau, je vous l'ai écrite pour vous montrer que également dans l'équation de Schrödinger, le nombre imaginaire fondamental apparaît, i. On retrouve la constante de Planck, évidemment, et cette équation porte sur un certain objet que Schrödinger lui-même a appelé la fonction d'onde. Bien évidemment, lui aussi, Schrödinger s'est livré à quelques calculs très compliqués, si compliqués d'ailleurs que Schrödinger, qui était quand même quelqu'un d'assez instruit, moi qu'on puisse dire, a eu besoin du grand mathématicien Hermann Weyl pour mener au bout les calculs. C'est pour vous dire que, alors ça c'est une remarque en passant, la théorie quantique exige des calculs de mathématiques appliquées qui sont très au-delà de ce qu'on apprend en master première année. Hein. Donc, c'est une chose qui est assez surprenante, bien évidemment, parce que les physiciens de l'époque se contentaient de mathématiques appliquées relativement élémentaires. Donc, Schrödinger se livre à des calculs avec son équation. Et qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient, par exemple, la série de Balmer, c'est-à-dire les fréquences de l'une des séries spectroscopiques de l'atome d'hydrogène. Premier succès. Il obtient l'énergie d'un oscillateur et montre qu'elle est de la forme NH nu, c'est-à-dire qu'à nouveau, il redémontre en quelque sorte l'hypothèse de Planck. Alors évidemment, Schrödinger a introduit cet objet, c'est en fait la fonction d'onde, comme il l'a appelé lui-même, Wellenfunktion plus précisément en allemand, et il s'est posé des questions, à quoi ça sert? Alors il a eu quelques idées qui étaient en fait les premiers jalons qui ont permis de comprendre à quoi servait Psi. Alors, sans rentrer dans le détail technique, parce que c'est pas le lieu, ce que Born a montré très peu de temps après, vous voyez, 1926, Born, c'était le patron de thèse de Heisenberg, hein, donc il avait les pieds, il avait les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Ce que Born a montré, c'est à nouveau une hypothèse, c'est que la fonction d'onde permet de calculer la probabilité de trouver une particule ici ou là. Là, vous voyez que, comme Born a énoncé ça, on s'est dit, mais une particule, elle est forcément quelque part. Eh bien non, la théorie quantique commence à vous dire, non, une particule n'est pas forcément quelque part. Elle peut être ici, elle peut être là, elle peut être ailleurs. À quoi sert la fonction d'onde de Schrödinger? Born vous dit, elle permet de calculer la probabilité pour que, si vous voulez savoir où est la particule, vous allez faire une mesure, et ça vous permet de calculer la probabilité de la trouver à un endroit ou à un autre. Alors, vous voyez, je pense que vous avez déjà saisi que les deux approches de Schrödinger et de Heisenberg étaient complètement différentes. Elles utilisaient des formalismes mathématiques complètement différents. Mais ce qui était stupéfiant, c'est qu'en bout de course, elle donnait les mêmes résultats. Et alors, bien évidemment, Schrödinger lui-même, dans ses souvenirs, raconte comment il était au courant du travail de Heisenberg, mais que, comme il le dit lui-même, il reculait devant le formalisme de Heisenberg. Parce que Schrödinger, en gros, ne savait pas ce que c'était qu'une matrice sur le plan mathématique.
Donc, deux approches complètement différentes, mais qui conduisent exactement au même résultat. Et c'est arrivé, alors je dis toujours, c'est le sprint final. L'un est arrivé d'Irak, lui aussi, il avait 25 ans, 26 ans, pour montrer que les approches de Heisenberg et de Schrödinger, toutes différentes qu'elles soient, sont en fait deux façons d'écrire la même théorie, qui est la théorie quantique. Donc ça, ça a été le premier apport de Dirac, qui était un physicien absolument génial, lui aussi. Donc, Heisenberg et Schrödinger, ce n'est pas deux théories distinctes, hein, c'est la même théorie, mais qui s'écrit de deux façons différentes. Et on a compris comment, grâce à Dirac précisément, on a compris quels étaient leur enchevêtrement, sur le plan technique, j'entends. Et alors, un autre apport colossal de Dirac, ça a été de se dire, oui, mais après tout ça, c'est bien gentil, mais Einstein, en 1905, nous a expliqué, a fabriqué ce qu'on appelle la relativité restreinte. La théorie quantique, la théorie de Heisenberg et de Schrödinger ne prend pas ça en compte. En gros, la relativité restreinte d'Einstein, c'est quand vous faites de la mécanique avec des vitesses qui ne sont pas très éloignées de la vitesse de la lumière. Dans les travaux de Heisenberg et Schrödinger, ceci était complètement mis de côté. Et la question que Dirac s'est posée, c'est évidemment, mais quid de la relativité restreinte d'Einstein? Et il a été capable d'écrire une équation qu'on appelle depuis toujours l'équation de Dirac, alors qui a eu des succès prodigieux pendant très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'elle a permis de prévoir la notion d'antimatière. Le positron, qui est l'antiparticule de l'électron, a été découverte expérimentalement quelques années plus tard, c'était je pense en 32-33 par là, par Anderson. Donc l'équation de Dirac permet de prévoir l'existence de l'antimatière. Les physiciens, en poussant l'équation de Dirac dans ses derniers retranchements, sont tombés dans une impasse. Alors c'est difficile d'expliquer en quoi, mais si vous voulez, en gros, ils se sont rendus compte qu'en développant l'équation de Dirac, ils tombaient sur un mur infranchissable. Et alors, vous savez, les physiciens ne sont pas stupides, ils ont une marche arrière. Quand ils tombent devant un mur, qu'est-ce qu'ils font? Ils font marche arrière. Ils ont fait marche arrière parce que l'équation de Dirac, malgré sa fécondité conceptuelle et sa fécondité aussi opérationnelle, les conduisait dans une impasse. Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on a pu construire la théorie quantique des champs, ce qu'on appelle aussi parfois l'électrodynamique quantique. Donc Dirac, c'est génial parce qu'il a unifié les deux approches, d'une part. C'est génial parce qu'il a écrit une équation qui expliquait de façon extraordinaire un certain nombre de phénomènes, mais comme elle a conduit les physiciens dans une impasse, elle les a obligés à faire demi-tour pour reprendre les choses et créer donc la théorie des champs qu'on connaît actuellement. Voilà, alors, donc ça, vous voyez, c'est vraiment la construction de la théorie quantique. Vous imaginez que si je voulais détailler tout ça, il me faudrait des heures et des heures et des heures. Ce que je veux faire néanmoins, c'est vous montrer quels sont les succès de la théorie quantique, dont j'espère vous ne doutez pas, seuls les complotistes en doutent. La première des choses, c'est que ça permet d'expliquer le monde et de calculer avec une précision absolument phénoménale. Alors, je vais donner pour expliquer le monde, pourquoi. Alors déjà, la théorie quantique vous explique pourquoi l'atome est stable, hein, qui est nouveau, ça lève une difficulté de la physique classique. Une autre explication banale, en quelque sorte, tout le monde sait bien qu'il y a en gros, il y a deux sortes de corps, il y a ceux qui conduisent l'électricité, on appelle les isolants, et ceux qui ne conduisent pas l'électricité, et qui conduisent l'électricité, pardon, qu'on appelle les conducteurs. Tout le monde sait ça, je passe sur les catégories intermédiaires. Ça, c'est incompréhensible en physique classique. La théorie quantique, alors là, il faut sortir toute l'artillerie quantique pour expliquer pourquoi il y a des corps qui sont isolants et pourquoi il y a des corps qui sont conducteurs. Mais néanmoins, on y arrive. Donc ça, c'est encore un succès fantastique. Je vous avais dit également tout à l'heure qu'à cause de ou grâce au théorème de Mies van Leeuwen, le magnétisme n'existait pas, alors que tout le monde sait que le magnétisme existe.
la théorie quantique vous fournit l'explication du magnétisme. Alors, une autre chose qui est, à mon avis, pas assez souvent soulignée. Bon, vous avez compris que la théorie quantique a été créée parce que les gens avaient des problèmes dès qu'ils faisaient des expériences au niveau atomique, au niveau microscopique. Ce qu'on a compris peu à peu, c'est qu'en fait, cette théorie est également nécessaire pour comprendre l'existence des très grands systèmes. Alors, vous voyez, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais quand je parle de grands systèmes, c'est... pour vous donner une idée, je vous dis, ça va jusqu'à l'échelle astrophysique. L'exemple le plus banal à citer, c'est ce qu'on appelle les étoiles à neutrons. Hein, les étoiles à neutrons sont des objets un peu exotiques, qui font une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de diamètre, donc c'est pas microscopique comme un atome, hein, c'est vraiment macroscopique, 10-15 kilomètres. Elles sont constituées de neutrons. C'est, quand je dis que c'est un objet exotique, c'est parce que c'est comme un noyau atomique absolument colossal en termes de grandeur, en termes de dimension, 15 kilomètres, mais qui n'est constitué que de neutrons, alors que de façon élémentaire, le noyau atomique est formé de deux types de particules, les protons et les neutrons. Bien, l'étoile à neutrons, c'est le stade final de certaines étoiles, où en quelque sorte les neutrons, tous les noyaux ont éjecté leurs protons, d'accord ? Il ne restait plus que les neutrons, et que les neutrons se sont condensés pour former un objet compact. Alors, vous imaginez que l'objet est particulièrement exotique. Eh bien, sans la théorie quantique, et sans plus précisément ce qu'on appelle le principe de Pauli, les étoiles à neutrons ne pourraient pas exister. Donc, vous voyez, ça c'est encore un exemple. Alors, on peut même monter d'un cran dans le gigantisme, hein, même si on n'a pas les théories, parce que ça pose une autre question fondamentale sur laquelle je reviendrai tout à la fin. Par exemple, si on se pose la question de « mais pourquoi les galaxies existent-elles ?» hein, l'idée qu'on se fait, c'est qu'au départ, l'univers était homogène, hein, comme une espèce de fluide homogène, d'accord ? Et puis petit à petit se sont fabriquées les galaxies. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a des objets qui se sont fabriqués, qui se sont formés ? Alors, on a quelques idées, ce n'est pas du tout achevé à l'heure actuelle, pour dire que ce sont des fluctuations quantiques qui ont permis la construction, la fabrication, l'édification des galaxies. Là, vous voyez, on est plus du tout, on a parcouru toutes les échelles, hein, depuis l'atome, depuis le noyau de l'atome, évidemment, jusqu'à l'échelle cosmologique. Eh bien, qu'est-ce qui joue un rôle pour tout comprendre, ou presque tout, c'est la théorie quantique. Donc, vous avez une explication du monde à toutes les échelles. C'est ça qui est absolument fabuleux. Donc, expliquer, c'est bien. Comprendre, c'est bien. Pouvoir faire des calculs, c'est encore mieux. Hein. C'est vraiment le dessert du physicien. Alors, la théorie quantique vous permet de faire des calculs qui sont d'une extraordinaire précision. Dans le texte détaillé que j'ai joint à la conférence et que vous pourrez télécharger, je donne un exemple où une certaine grandeur physique est calculable. Alors, on peut la mesurer avec 12 ou 13 chiffres significatifs. C'est déjà un exploit expérimentalement parlant, bien évidemment. On est capable de la calculer théoriquement en faisant des calculs absolument monstrueux. Je vous disais tout à l'heure, la théorie quantique exige des calculs qui c'est pas seulement de la règle de 3, évidemment. Donc, on est capable de la calculer avec une extraordinaire précision, cette grandeur physique. On compare avec 12 chiffres significatifs, on compare avec ce qu'a donné l'expérience et on constate que les 12 chiffres coïncident. Ça, c'est une précision qui est, je crois, à ma connaissance en tout cas, c'est une précision qui est unique en physique. Donc, vous avez une explication du monde à toutes les échelles, qualitativement, heureusement, et quantitativement. Une autre chose aussi, c'est que je regarde l'heure, non c'est bon. Une autre chose aussi, c'est que la théorie quantique prévoit des phénomènes qui dépassent l'entendement. Alors ça, j'ai dit ça au sens, je dis ça effectivement parce que ça heurte tellement le bon sens qu'on se dit ça ne peut pas exister. Alors je vous en cite quelques-uns. Alors l'ordinateur quantique, vous avez tous entendu parler, c'est devenu un peu une espèce de tarte à la crème. Je préfère ne... J'en ai parlé un tout petit peu l'autre jour. Donc, c'est un objet qui fonctionnerait sur les
principes de la mécanique quantique et qui serait capable de faire des calculs qu'aucun ordinateur aujourd'hui, ou dans 50 ans même, je peux dire, est capable de faire. Donc ça, c'est une ouverture absolument fantastique. Bien évidemment, vous imaginez que les GAFA se sont jetés là-dessus. Les experts, Serge Haroche en premier, notre dernier prix Nobel de physique, comme vous le savez, et dit bien que l'ordinateur quantique, sur le principe, ça fonctionne. Avant que ça marche en pratique pour des problèmes intéressants, c'est pas demain, hein, loin, c'est pas demain. Pour des raisons de fond que là, je ne peux pas détailler, mais que j'avais abordé très, très rapidement dans la première conférence. Donc, l'ordinateur quantique, ça, évidemment, personne, ni Heisenberg. Quand je vous dis prévision, observation de phénomènes inimaginables, bien évidemment, vous pouvez vous douter qu'aucun des pères fondateurs n'avait imaginé ce dont je vous parle en ce moment. Je dirais même que Schrödinger le premier, l'un des pères fondateurs, ne croyait pas tout à fait à la théorie quantique. C'est assez paradoxal, ça semble paradoxal, mais il avait des raisons pour ça. Donc, tous ces phénomènes, ce que je vais énoncer là sous forme de liste simplement, bien évidemment, aucun des pères fondateurs n'aurait pu l'imaginer. La téléportation quantique, alors ça aussi c'est un peu une tarte à la crème, ça existe, hein, ça a été mesuré, ça a été... Alors ça consiste en quoi? Alors on ne téléporte pas des humains, hein, comme j'ai lu dans l'Express une fois, bien évidemment, bon, ou dans Le Point, je ne sais plus. Ce qu'on téléporte, c'est en fait quelque chose d'extraordinairement subtil, c'est une certaine structure mathématique, immatérielle, hein. Elle est immatérielle, parce que ça, la téléportation quantique vous permet de transférer cette structure immatérielle instantanément entre deux points séparés aussi loin l'un de l'autre que vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que ça, a priori, ça semble violer l'un des postulats d'Einstein. En fait, non, pas du tout. Donc, la téléportation quantique, ça existe. Le premier qui l'a mise en évidence au laboratoire, c'est Nicolas Gizin à Genève. Il a fait ça dans son labo, dans sa pièce de manip. C'était sur quelques mètres, d'accord. Et puis après, il a réussi à le faire sur 150 km avec des fibres optiques. Et maintenant, il y a une équipe chinoise qui prétend avoir fait de la téléportation quantique entre une station terrestre et un satellite en orbite basse. Donc, vous voyez que non seulement ça existe, mais en plus, c'est réalisable, observable sur des distances qui sont de plus en plus grandes. Un autre point important, c'est la cryptographie quantique. Vous savez tous que la cryptographie, c'est ce qui permet de transmettre des messages en toute confidentialité, hein, en étant sûr qu'un espion n'écoute pas. Alors, bien évidemment, classiquement, quand vous téléphonez, par exemple, à votre copine pour lui dire les choses les plus douces qui soient, bien évidemment, n'importe quel espion, en s'y prenant bien, peut piquer la ligne de façon extrêmement fine pour écouter ce que vous dites sans que vous en aperceviez. Ça, c'est classiquement, c'est presque inévitable. Eh bien, la théorie quantique vous donne des protocoles qui vous permettent de façon absolument sûre à 100% d'échanger des messages avec la certitude de ne pas être écouté. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous devinez que c'est la cryptographie, ça joue un rôle évidemment partout dans la vie, hein, comme vous êtes sur Internet. Là, je suis sûr que la transmission de la conférence est cryptée. Hein. Dès que vous faites une transaction sur Internet, c'est crypté. Et je ne parle pas de la cryptographie nécessaire pour la sécurité des États. La théorie quantique vous donne des procédés, des protocoles de communication qui permettent d'être sûr de ne pas être écouté. C'est assez extraordinaire. Et puis, il y a un effet que j'aime bien citer, qu'on appelle l'effet Zénon quantique. Alors, Zénon, c'est un philosophe de l'Antiquité grecque qui prétendait que le mouvement ne pouvait pas exister. Bon, son argumentation, évidemment, a été démontée par la suite, puisqu'on sait que, comment dire, que le mouvement, tout le monde sait que le mouvement existe. Bien. Il existe un équivalent en physique, maintenant, on le sait, et à nouveau, ça a été observé. En gros, ce qui se passe, c'est que si vous observez de façon répétitive et à très haute fréquence un système quantique, vous gelez sa dynamique. Autrement dit, pour parler très simplement, vous prenez un objet instable, vous l'observez à toute vitesse, très rapidement, et bien cet objet devient stable. C'est ce qu'on appelle l'effet Zénon quantique. Ça a été inventé, imaginé plutôt,
par Misra et Sudarshan en 1975. Et à l'époque, moi j'étais trop petit, enfin j'étais pas assez grand plutôt pour connaître les réactions des théoriciens de l'époque, mais je devine que les théoriciens ont dit, voilà encore une invention de théoricien, c'est pas demain qu'on va l'observer. Eh bien si, on l'a observé en 83, vous voyez. Voilà, alors je vais terminer, puisque là il me reste certes très peu de temps, par quelques remarques finales. Hein, finales n'étant pas définitives. Pourquoi? Parce que, en définitive, on peut dire qu'il y a un succès sur toute la ligne de la théorie quantique. La théorie quantique, en quelque sorte, accomplit à la perfection le programme qui est assigné à une théorie physique, c'est-à-dire expliquer ce qu'on observe. La physique est une science expérimentale. On fait une expérience, il faut que la théorie dise pourquoi on a trouvé ce qu'on a trouvé. La théorie quantique explique absolument tout. Il n'existe pas à ce jour d'expérience qui prend en défaut la théorie quantique. Et je vous dis, non seulement sur le plan qualitatif, mais également sur le plan quantitatif. Alors on pourrait se poser la question, c'est la fin de la physique, c'est la fin de tout? Bien évidemment non. Heureusement pour les physiciens. Hein, et je vous rappelle très brièvement que en fait, l'histoire de la physique, c'est une succession de révolutions. Hein. Il y a 2000 ans, on croyait que la Terre était plate, puis après, les Grecs ont été assez malins pour comprendre que la Terre était sphérique, en gros. Il n'y a plus que les fous aujourd'hui pour croire qu'elle est plate. S'agissant du système solaire, ben vous savez qu'il y a eu une très longue controverse sur le système géocentrique d'Aristote et Ptolémée, puis héliocentrique par Copernic et Kepler, et vous voyez qu'à chaque fois, la réponse est venue sur le plan expérimental, bien évidemment, et à chaque fois, ça a été une révolution. Quand Copernic a dit non, 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 la Terre n'est pas au centre du système, au centre de l'univers, ça a été évidemment une révolution. Un autre exemple, l'atome. Alors, vous savez que l'atome, c'est une idée, un concept qui existe depuis très, très, très longtemps, puisque les Grecs, à nouveau, eux, avaient, enfin certains d'entre eux du moins, croyaient à l'atome. D'autres n'y croyaient pas. Ceux qui n'y croyaient pas, c'était pour des raisons philosophiques. Pour la raison suivante, c'est que si les atomes existent, il faut bien qu'ils se déplacent dans l'espace. S'ils se déplacent dans l'espace, c'est donc qu'entre les atomes, il y a du vide. Or, pour certains, le vide ne pouvait pas exister. D'où la négation de la notion d'atome. Et puis, alors, vous voyez, il a fallu finalement la fin du 19e. Pour que la quasi-totalité, parce qu'en fait, même à l'époque 1880, grâce à Boltzmann, les gens se sont ralliés à l'hypothèse atomique, mais même en 1900, hein, on peut trouver des physiciens qui disent que non, non, l'atome n'existe pas. Bon, la révolution atomique, le fait que l'atome existe, comme l'a révélé Boltzmann sur le plan théorique et comme l'ont confirmé toutes les expériences, à nouveau, c'est une révolution. Mais pour Boltzmann, comme pour les Grecs d'ailleurs, atome, ça veut dire qu'on ne peut pas couper un morceau. Bon, ben on s'est aperçu un peu plus tard, hein, vous voyez, vers 1920, on s'est aperçu qu'on pouvait casser l'atome en petits morceaux. Donc ça, c'est une nouvelle révolution. Une autre révolution, le vide. Alors le vide, on imagine que on prend un récipient, on met du gaz, et puis on pompe, on pompe, on pompe, on pompe, et puis au bout d'un moment, il ne restera plus rien. Eh bien, ça, c'est complètement faux. Et ça, alors ça, c'est une notion qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre. Et ce que je peux résumer par une formule, bon, j'ai mis qu'on l'a compris à partir de 1935, parce qu'il a fallu comprendre toute l'électrodynamique quantique. Et donc ça a pris évidemment un petit peu de temps. Mais le vide n'est pas l'absence de tout. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous imaginez que quelque chose est vide, que l'univers est vide, non, non. Il y a des fluctuations quantiques. Et puis, comment dire, allonger la liste, mais enfin, si vous voulez, en gros, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, ce sont les très grandes révolutions qu'on peut définir. Alors, quand je vous disais que néanmoins, ceci n'est pas la fin de tout, c'est parce que ça, et ça, vous le savez bien, c'est même l'une des très très grandes questions de la physique aujourd'hui et depuis des décennies. La théorie quantique d'une part et la relativité générale. Alors, la relativité générale d'Einstein, c'est 1915.
Ce n'est pas la relativité restreinte. Donc, la théorie quantique et la relativité générale sont deux théories qui fonctionnent admirablement, admirablement, chacune quand on l'interroge à propos d'un problème donné, mais on n'arrive pas à les mettre ensemble. C'est-à-dire que, en quelque sorte, elles sont construites sur des idées qui sont antagonistes. Je vais vous donner un exemple. L'exemple le plus simple qu'on peut donner est le suivant. En théorie quantique, l'univers est plat, c'est-à-dire que les atomes ou les électrons, tout ça, se déplacent en quelque sorte, ont une dynamique, il n'y a plus de trajectoire, mais il y a la dynamique se déroule dans un espace qui est uniforme, qui est plat. Hein. Il est le même partout. Ça, c'est la théorie quantique. La théorie quantique repose sur cette idée. Au contraire, la relativité générale repose sur l'idée que l'espace est dynamique, qui n'arrête pas de changer et que c'est la matière présente qui le fait, qui le déforme en quelque sorte. Donc vous voyez, on a deux théories qui reposent sur deux idées, enfin, pour l'une des raisons qui permet de comprendre pourquoi on a du mal à les réconcilier, c'est qu'elles reposent sur des idées qui sont visiblement antagonistes. Pour la théorie quantique, l'univers est plat, rigide en quelque sorte et indéformable. Pour la relativité générale, au contraire, l'uniforme, l'espace est dynamique et il peut se déformer à cause de la présence de matière. Donc vous voyez que, alors ça c'est un problème, ce qu'on appelle l'unification hein, quantique générale, c'est un problème qui agite les cerveaux les plus brillants depuis extrêmement longtemps et évidemment c'est un problème majeur puisque vous avez entendu parler du Big Bang, ce qui est donc dans les modèles cosmologiques admis actuellement, ce serait l'instant zéro de l'univers, mais on ne peut pas théoriquement décrire, remonter jusqu'à l'instant zéro. On est obligé de s'arrêter un tout petit peu avant. Pourquoi ? Parce que au-delà, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Les physiciens sont face au mur de Planck pour vraiment valider la théorie du Big Bang. Parce que si vous vouliez franchir le mur de Planck, il faudrait précisément mettre ensemble théorie quantique et relativité générale. Ce qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc le mur de Planck, c'est en fait, si vous voulez, on peut dire que c'est l'horizon des physiciens actuellement. Voilà. Donc ceci pour dire que les physiciens ont encore du travail. Ceci sans, évidemment, sans exclure que demain, on mette en évidence, on fasse une expérience qu'on ne comprend pas et qui exigera précisément une nouvelle révolution conceptuelle. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que je suis arrivé à l'heure d'exposer. C'est ce qu'on m'avait recommandé. Donc, je crois qu'on peut passer aux questions. Eh bien, merci beaucoup, Claude, pour cet exposé passionnant. Et bon, on va passer aux questions. Je suis sûr qu'il y en aura de nombreuses. Donc, alors, on ouvre... Claude, vous pouvez ouvrir donc l'onglet chat pour voir les questions et je peux éventuellement les dicter. Le chat participant, hein, c'est ça ? Voilà, chat. D'accord. Là, je l'ai ouvert. Voilà, il y a une première question. Alors, il y a une Jean-Baptiste. Oui. Alors, d'accord, ça c'est une très bonne question. Alors, attendez, je lis la question jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Heisenberg. Heisenberg était donc un étudiant en thèse de Born. D'accord ? Je vous ai dit, c'est Born qui a reconnu que ce que faisait son élève, son doctorant, c'était de la mécanique, c'était des calculs matriciels. Born, à l'époque, Born était l'un des très, très rares physiciens connaissant les matrices. Les matrices que tous les physiciens connaissent aujourd'hui, à l'époque, seuls Born et quelques autres, très peu nombreux, connaissaient ça. Pour développer toutes les idées de Heisenberg, Born s'est associé effectivement avec Pascual Jordan, qui était un autre élève, je crois, de Born, et qui lui était beaucoup plus mathématicien. Alors, il a joué un rôle extrêmement important. Pourquoi ? Parce que Heisenberg, Born et Pascual Jordan se sont réunis pour écrire un énorme papier qui en fait contient toute la théorie quantique, pas l'électrodynamique, mais la théorie quantique au sens où vous l'avez imaginé Heisenberg. Donc Pascual Jordan a joué un rôle extrêmement important
parce qu'il connaissait les mathématiques encore mieux que Born, lui-même Born, évidemment beaucoup mieux que Heisenberg. Heisenberg, si vous voulez, il a fait du calcul matriciel sans le savoir, en gros, hein, comme M. Jourdan. Donc, c'est très juste de citer Pascual Jordan. Alors, attendez. Alors, pourquoi ? Alors, bon, c'est une remarque de nature historique sur laquelle je suis très peu informé, mais néanmoins, je sais que, effectivement, Pascual Jordan a été, je ne dis pas oublié, mais un peu relégué. Pourquoi ? Parce que c'était un fervent supporter d'Adolf Hitler. Donc, bon, vous voyez que cette période, je vous ai parlé des trois décennies fondamentales, ben oui, évidemment, puis en 1933, Hitler est arrivé au pouvoir, mais les physiciens ont continué à travailler. Donc, vous voyez que tout ce développement de cette nouvelle théorie, ces développements se sont déroulés à une période historique pour le moins problématique. Les physiciens se sont divisés en deux clans, en gros. Hein. Vous aviez les pro-nazis et les anti-nazis. Hein. Parmi les pro-nazis, on peut citer Lennard, tout début du siècle, qui était un physicien du tout début du siècle, qui a fait des expériences en 1905 très importantes. On peut citer également Stark. Voilà, ces deux-là étaient des pro-nazis convaincus. Pascual Jordan, c'est moins évident, mais de toute évidence, enfin, clairement, il a été actif au sein du parti nazi. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a un petit peu mis de côté. Et un autre exemple que je peux citer, il y a une autre expérience dont je n'ai absolument pas parlé, qui est ce qu'on appelle l'expérience de Stern-Egerla en 1921, qui a joué un rôle, elle aussi, c'est l'une des expériences cruciales de la physique. Stern d'une part, Gerlach d'autre part, d'accord. Eh bien, par la suite, Stern a eu le prix Nobel et pas Gerlach. Et on peut se demander pourquoi. L'explication est toute bête, c'est que Gerlach était lui aussi un pro-nazi convaincu. Donc, vous voyez, il faut aussi se souvenir que tout ça, ça s'est développé à une période qui historiquement était quand même très problématique. Bon, et c'est peut-être là, c'est moi la raison qui me vient à l'idée quand on me pose la question pourquoi Pascual Jordan est un peu oublié dans tout ça. Je vous ferai, en allant un tout petit peu plus loin, pour répondre à Jean-Baptiste, j'ajoute que dans la plupart des ouvrages, Heisenberg est oublié. On vous parle de Schrödinger, on vous parle de l'équation de Schrödinger, on vous rebat les oreilles avec l'équation de Schrödinger, et on ne parle quasiment pas, ou parfois pas du tout, de Heisenberg. C'est d'une injustice profonde. Alors pourquoi ? Ben parce que Heisenberg, c'est plus difficile à comprendre, tout simplement. Mais sans exagérer, on peut dire que Heisenberg est, si on doit désigner un père fondateur de la théorie quantique, c'est Heisenberg. Hein ? Schrödinger est arrivé très peu de temps après, Dirac, etc. Mais celui qui a tout posé, on peut dire, c'est Heisenberg. Malheureusement, il a utilisé un langage qui est beaucoup plus difficile à comprendre que Schrödinger, et c'est pourquoi, en général, on mentionne, dans le meilleur des cas, on mentionne. Moi, dans l'un de mes bouquins, dans le premier tome, j'ai tenu à décrire en détail la démarche de Heisenberg, parce que vous la trouvez quasiment nulle part. Il faut aller voir les papiers originaux. Hein. Bon. Et que d'autre part, c'est quand même, historiquement parlant, c'est lui le pionnier. Alors, attendez, est-ce que j'ai répondu ? Oui, ben alors lui, voilà, hein, Jean-Baptiste dit bien à cause de considérations politiques. Donc, à mon avis, c'est parce que Jordan était quand même un nazi assez convaincu. Voilà, j'ai répondu à la question de Jean-Baptiste, c'est bon ? Alors, il y a une question de Jürgen. Jürgen, qui demande, pouvez-vous expliquer que la mécanique quantique prédit que l'atome est stable ? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi l'atome classique est instable ? C'est parce que l'électron qui tourne rayonne. Hein. Donc ça, je pense que vous avez tous compris ça. En théorie, et l'électron rayonne parce qu'il a une trajectoire qui est accélérée. Bien. En théorie quantique, il n'y a plus de trajectoire, tout simplement. Donc, la question de savoir sur sa trajectoire l'électron rayonne est une question qui ne se pose plus puisqu'il n'y a pas de trajectoire. Pourquoi l'atome est stable ? C'est parce que quand on fait les calculs, et quand on calcule notamment les énergies possibles d'un atome, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle l'état fondamental, c'est-à-dire un état d'énergie la plus basse. D'accord ? Et comme il y a un état d'énergie la plus basse, si vous ne faites rien à l'atome, c'est dans cet état-là qu'il existe.
Alors que dans le modèle classique, l'électron, vous voyez, il tourne autour du proton, il rayonne. Donc, vous voyez bien que plus il rayonne, plus il va perdre de la vitesse, évidemment, plus il va se rapprocher du noyau, et plus finalement, il va se retrouver sur le noyau. Et à ce moment-là, quand on calcule l'énergie, on trouve que c'est moins l'infini. Donc, ça n'a pas de sens physiquement. Et c'est ça qui quantifie en quelque sorte le fait que l'atome classique est instable. En théorie quantique, au contraire, il y a un état d'énergie minimum, et cet état, c'est l'état le plus, c'est l'état stable de l'atome. C'est son état fondamental. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu à la question. Ah ben, il y a quelqu'un, Gabriel, qui pose une autre question. Oui, alors, justement. Bon, c'est très compliqué. Mais je peux dire que ce que je viens de dire, à savoir, il existe un état d'énergie minimale, permet de comprendre que pourquoi l'atome, si on ne lui fait rien, reste dans cet état. Et si on ne lui fait rien, ben, il continue à vivre ad vitam aeternam. Ça, c'est la théorie quantique qui vous le dit. Et c'est une conséquence immédiate de l'équation de Schrödinger. Et c'est d'ailleurs pour ce problème-là que Hermann Weyl, le grand mathématicien, qui était un ami de Schrödinger, lui a donné un coup de main pour montrer tout ça dans le détail. Parce que, à nouveau, Schrödinger, après avoir écrit son équation, quand il a voulu l'appliquer à l'atome d'hydrogène, l'atome le plus simple, eh ben, il ne savait pas faire les calculs, quoi. Tout Schrödinger qu'il était. Et c'est Hermann Weyl qui lui a montré comment s'y prendre. Et l'une des conséquences, c'est qu'il existe un état d'énergie minimale qui est l'état stable de l'atome. Alors, ah oui, ça je m'y attendais bien évidemment. Bon, je pense que j'ai répondu à Gabriel. Alors maintenant, voilà, la question, une question alors qu'on me pose toujours. Hein, donc c'est à la fois une très bonne question, mais en quelque sorte j'y suis habitué. La contribution de De Broglie. Alors, en 1923, donc vous voyez, ça c'était un tout petit peu, décembre 23, c'est la date de soutenance de la thèse de De Broglie. Donc vous voyez que c'était un an et demi environ avant Heisenberg. De Broglie a imaginé ce qu'on appelle la notion d'onde associée. Ce que disait De Broglie, c'est quand j'ai une particule, c'est pas seulement un corpuscule, il y a aussi une onde qui l'accompagne, et que je peux même calculer sa longueur d'onde. Sa longueur d'onde, ce sera égale à la constante de Planck divisée par le produit de la masse par la vitesse. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de De Broglie. Quand Schrödinger a reçu... Alors, Einstein était enthousiasmé par les idées de De Broglie. Mais alors, je précise tout de suite que les idées de De Broglie s'appuient sur ce concept d'onde associée à la particule, mais ça ne va pas plus loin. Autrement dit, il n'y a aucune ouverture opérationnelle. Donc, j'ai envie de dire, mais ce serait un peu méchant, une fois que vous avez accepté l'idée de De Broglie, vous n'en faites rien. Voilà, c'est ça l'idée. Bon. Quand Einstein a reçu la thèse de De Broglie, il était enthousiasmé. Il l'a envoyé à Schrödinger, qui a eu des mots extrêmement déplaisants. Pourquoi ? Ben parce que, d'abord, l'argumentation de De Broglie est un petit peu confuse, manque de clarté. Et en plus, il y a, je répète, aucune proposition. Hein, De Broglie n'a pas dit, voilà, avec ça, je vais vous expliquer les spectres atomiques. Non, non, il n'y a aucune proposition opérationnelle. Donc, si je veux résumer la contribution de De Broglie, il a inventé... Alors, je reviens à Schrödinger. Donc, il reçoit la thèse, de De Broglie par l'intermédiaire d'Einstein, Einstein enthousiaste, et Schrödinger, il a même eu des mots dans un bouquin que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture dans le texte écrit, Schrödinger a même eu des mots presque discourtois vis-à-vis de De Broglie, en disant, en gros, c'est de la merde. Hein, vous avez compris ? Très bien. Einstein a insisté, et Schrödinger, bien qu'il n'ait eu à aucun moment besoin de cette idée d'onde associée, a eu la courtoisie et l'élégance, je peux dire, de dire que le travail de De Broglie l'avait inspiré. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que j'efface la contribution de De Broglie, je redéroule les papiers de Schrödinger et je vois que nulle part il a besoin de l'hypothèse de De Broglie, de la notion de d'onde associée à une particule. Donc, si vous voulez, pour résumer en quelque sorte,
De Breuil, il y a une idée, il y a un concept important, mais dont on ne fait rien en soi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, je ne sais pas si j'ai satisfait Michel. Michel, alors, oui, si tu veux. Il y a une question de Maxime. Oui, je vois Maxime. Donc, tu peux... ah oui, pourquoi ça ne viole pas le postulat d'Einstein ? Parce que ce que vous dit le postulat d'Einstein, c'est que aucun signal ne peut se déplacer plus vite que la lumière. D'accord ? Et si vous voulez transférer de l'information au sens ordinaire du terme, vous ne pouvez pas le faire, dire « Ah ben j'ai appris avant-hier la mort de Guy Bedos, par exemple. Hein ». Si vous voulez dire ça à quelqu'un en morse, hein, très bien, avec une lampe, eh bien vous ne pouvez pas le faire plus vite que la lumière, parce que la lumière, elle se déplace à 300 000 km par seconde environ. Ça, c'est l'un des postulats de la relativité restreinte d'Einstein. Le problème est qu'en téléportation quantique, ce n'est pas ça du tout que vous transmettez. Ce que vous transmettez, c'est une structure mathématique immatérielle. À partir du moment où c'est immatériel, on voit bien que, évidemment, la transmission ne va être en aucune façon soumise au postulat d'Einstein. Et c'est en ça que la téléportation quantique ne viole pas le postulat d'Einstein. Bien évidemment, au départ, les gens se sont dit « non, c'est pas possible, ça viole Einstein, donc tout ça ne tient pas debout ». Oui, enfin, sauf que ça tient debout, puisqu'on l'a observé expérimentalement, et qu'ensuite on a compris pourquoi ça ne violait pas le postulat d'Einstein. Parce que ce qu'on transmet, quand je vous disais que j'avais lu quelque part qu'on allait bientôt téléporter des humains, non, ça évidemment, on ne risque pas de le faire. Bien. En revanche, ce qu'on est capable de faire, c'est de téléporter la structure mathématique immatérielle qui représente l'état d'un système quantique. Alors ça, évidemment, vous voyez que si je voulais rentrer dans le détail, je serais obligé d'écrire des équations pour tout ça. Mais rassurez-vous, ça ne viole pas Einstein, heureusement, parce que comme on l'a observé expérimentalement, alors là, ce serait très, très, très problématique. Alors, après, il y a une question de Sid Cleaves à propos de la théorie des corps. Bon, alors, je vous ai dit donc qu'on n'arrive pas à mettre ensemble théorie quantique et relativité générale. Il y a eu évidemment un très grand nombre de propositions qui sont des constructions théoriques qui pour, j'ai envie de dire, la plupart, je n'ai pas dit toutes, je dis la plupart, tiennent debout. Et parmi ces propositions, il y a ce qu'on appelle la théorie des cordes ou même la théorie des supercordes. Bon. Pour résumer, on a actuellement un certain nombre de théories concurrentes qui veulent ou qui prétendent unifier ces deux théories. Théorie quantique, relativité générale. Le seul souci est le suivant. Quand en physique, vous avez deux théories concurrentes, la seule façon de les trancher, qui ne sont pas contradictoires, hein, je dirais, elles ne sont pas absurdes, elles sont logiquement cohérentes, la seule façon de pouvoir choisir l'une d'entre elles, c'est de faire une expérience. Hein, la physique est une science expérimentale. C'est l'expérience qui permet de choisir entre deux théories concurrentes. Vous avez deux théories qui vous disent, l'une vous dit blanc, l'autre vous dit noir. Vous faites la manip vous dit blanc, et à ce moment-là, vous éliminez la théorie qui vous dit noir, et on peut aller plus loin. Le problème avec ces théories concurrentes pour l'unification, la grande unification, c'est qu'elles proposent, pour certaines, pas toutes, elles proposent des expériences qui sont irréalisables. Je vais vous donner une idée. J'ai lu quelque part, ne me demandez pas où, que pour valider je ne sais quelle théorie d'unification, il faudrait un accélérateur grand comme la galaxie. Hein, on n'est pas capable. Hein, le CERN, c'est déjà bien assez monstrueux. On n'est pas capable de construire un accélérateur grand comme la galaxie. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait arriver à accélérer des particules à une énergie absolument colossale, et il faudrait donc un accélérateur absolument monstrueux. Ça, on ne peut pas le faire. Comme on ne peut pas le faire, eh bien, on n'est pas capable de choisir une théorie parmi d'autres. Voilà. Donc, vous avez plein de théories, effectivement. La théorie des grandes unifications, la théorie du tout. Enfin bon,
les physiciens et les matheux d'ailleurs se sont jetés là-dessus parce que ça pose des problèmes de mathématiques d'une énorme subtilité. Alors je passe à... Attendez. Je vais lire, comme ça, ça sera plus clair pour les participants. Renaud pose la question, il s'étonne, oui, comme le précédent message, du passage sous silence de la contribution de De Broglie à la mécanique ondulatoire dans sa thèse de 1923. Voilà. Alors, je rassure tout de suite Renaud. Voilà. Dans un exposé aussi bref, on ne peut pas tout dire. Hein. Que Renaud se rassure, dans mes bouquins, bien évidemment, je parle de De Broglie. Premièrement, Einstein était emballé par le travail de Breuil, en effet, et il a effectivement dit, il a soulevé un coin du voile, mais j'ai envie de dire, pour paraphraser Einstein, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là, c'est-à-dire que je répète que De Broglie ne donne aucun outil permettant de comprendre les expériences fondamentales. C'est une idée, c'est un concept, hein, la notion d'onde associée, mais avec un concept, on ne fait rien si on ne développe pas les conséquences de ce concept. Bon, je sais que je crispe toujours certains auditeurs quand je passe, là je répète que dans mes bouquins, je parle de De Broglie, hein, donc n'imaginez pas que je sois... Mais il ne faut pas non plus tomber dans le chauvinisme. Et alors, si vous me permettez une considération historique, en France, on a magnifié la contribution de De Broglie, pour des raisons chauvinisme peut-être. Il y a une autre raison qui fait que De Broglie n'est pas une personne qui est toujours très appréciée, c'est qu'il a en quelque sorte, certains disent, des historiens des sciences disent qu'il a stérilisé la physique française. Pourquoi ? Ben parce qu'il était auréolé de son prix Nobel et il a, ou bien on était d'accord avec lui, ou bien on n'était pas d'accord. Et je vous dirais même, là ce serait un petit peu long à raconter, que moi je suis tombé sur des écrits de De Broglie que je considère comme à la limite scandaleux. Alors je m'explique, je vous ai parlé de Schrödinger, je vous ai dit comment Schrödinger avait pris appui sur les travaux de Hamilton 1850. D'accord. De Broglie, en 1953, interrogé sur cette question, passe complètement sous silence les travaux de Hamilton. Alors, de deux choses l'une, ou bien il y avait une certaine mauvaise foi intellectuelle, ou bien De Broglie ne connaissait pas les travaux de Hamilton, ce qui pour un physicien est quand même très surprenant. Voilà, et je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, De Broglie n'est pas quelqu'un qui a évidemment ses élateurs, hein, mais ce n'est pas quelqu'un qui, à la fois en France et sur le plan international, ça vous pouvez le vérifier, ne bénéficie pas d'un prestige au même titre que Heisenberg, Schrödinger, Dirac, bien évidemment. Voilà. Alors, Yves May, c'est Mierfeld. Il y a une question de Yves. Non, c'est pas moi qui posais la question. C'est pas vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui. Ou alors c'est de la téléportation, je ne sais d'accord, pas. D'accord, peut-être. Enfin, alors, en tout cas, la question c'est. Et pourtant, c'est oui, même Heisenberg qui a formalisé le principe d'incertitude. Oui, mais pourquoi le pourtant ? Je ne comprends pas pourtant. Alors, je ne sais pas. Parce que Heisenberg, c'est l'un des pères fondateurs de la théorie quantique, comme je vous l'ai expliqué. Effectivement, il a formulé d'une certaine façon ce qu'on appelle, de façon impropre, le principe d'incertitude. Il n'y a pas lieu de... C'est le pourtant que je ne comprends pas. Bon, attendez, on aura peut-être une explication par la suite. Voilà, voilà. Oui. Alors, je vais de renseigner. Notre chrono a posé alors, une autre question. Oui. Alors, il ne comprend pas le chiffre astronomique avancé des 10 puissance 74. Il lui semble que dans des conditions favorables, l'œil humain est capable de détecter quelques dizaines de quantas. Par ailleurs, si on considère un phénomène à échelle humaine, on prendra plus typiquement un temps caractéristique de 1 seconde et une énergie de quelques joules. On arrive même
dans ce cas extrême, à quelque 10 puissance 35 quanta. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pour en venir à l'œil humain est un récepteur d'une sensibilité qui défie l'entendement. En effet, hein, quand vous, si vous avez une bonne vue, si la nuit est bien noire, vous pouvez observer des objets dans le ciel qui sont très très peu lumineux, d'accord ? Et il va arriver, mettons, 1000 photons par seconde sur votre rétine, eh bien, vous êtes capable de les voir. Mais ça, c'est grâce à l'extraordinaire sensibilité de l'œil humain, d'accord ? Le 10 puissance 74, si je me souviens bien, j'ai pris une énergie de 1 joule, je crois. C'est un chiffre astronomique. Il y a 10 puissance 74 quanta, en effet. Hein. Et je suis pas sûr de bien comprendre la question. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que... Alors, il y a un petit livre dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « Monsieur Tompkins au pays des merveilles », qui a été écrit par le physicien Georges Gamow, qui décrit le monde qu'on connaîtrait si les constantes fondamentales avaient des valeurs différentes. Si la constante de Planck était beaucoup plus grande, si la vitesse de la lumière était beaucoup plus petite, etc. Le fait est que, en quelque sorte, pourquoi on ne voit pas, entre guillemets, la quantique à l'échelle macroscopique, c'est lié effectivement au fait que la constante de Planck est minuscule. Et donc, quand on veut coller la constante de Planck dans une formule de type macroscopique, on arrive à des nombres entiers qui sont gigantesques, gigantesques. Voilà, bon, je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question, donc non, je ne suis pas sûr de comprendre d'ailleurs toute la nature. Alors, il y a une question. Ah oui, après il y a une question, oui. Bon. Le père fondateur de la quantique, ont-ils été sensibles aux idées introduites par les groupes de symétrie? C'est une question de Christophe. Alors, attendez, moi j'en suis pas là. J'en étais après le après Renaud M. Renaud M. Je vois Naomi D. J'ai oublié Naomi. Voilà. Alors, pouvez-vous parler des débats de Bohr et Einstein à propos des controverses sur l'interprétation de la mécanique quantique? Oui. Alors là, je pourrais en parler, mais ça prendrait des heures. Des heures et des heures et des heures. Il y a que je peux résumer avec un exemple. Donc Einstein effectivement croyait à la théorie quantique au sens où il reconnaissait bien évidemment ses succès. Mais pour Einstein, la théorie quantique n'était pas une théorie complète. Et avec ses deux copains Podolsky et Rosen, ils ont formulé un certain Ils ont imaginé une expérience de pensée qui conduit à ce qu'on appelle au paradoxe EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen. D'accord ? Et donc, leur conclusion est que la théorie quantique est une théorie qui est incomplète, c'est-à-dire qu'elle ne rend pas compte de toute la réalité physique. À l'époque, alors c'était, ils ont imaginé ce que Einstein adorait, c'est-à-dire une expérience de pensée. D'accord ? Alors, à la suite de ce papier, Bohr a répondu tout de suite, hein, dans les quelques mois suivant la publication en 1935 de EPR, Bohr a répondu tout de suite. Alors, Bohr, c'était un génie, mais il est incompréhensible. Je vous dis franchement, si vous arrivez à comprendre la pensée de Bohr, bravo, vous méritez un prix Nobel. Bien, donc, il y a eu toute une controverse entre Bohr et Einstein. Et ça a duré jusqu'à la mort d'Einstein. Einstein est mort en 1955. Il n'a jamais accepté toutes les conclusions de la théorie quantique. Le seul souci, en quelque sorte, c'est que le papier d'Einstein, Podolsky et Rosen en 1935 s'appuyait sur une expérience de pensée qu'à l'époque, on était absolument incapable de faire, technologiquement parlant. Et puis, en 1962, il y a eu un théorème important, le théorème de Bell, qui a donné aux expérimentateurs les moyens de réaliser l'expérience de pensée d'Einstein. Ça a pris encore 15 ans, à peu près, même pas. Et en 83, Alain Aspect à Orsay a démontré en quelque sorte que Einstein, Podolsky et Rosen
leur conclusion était erronée et que la théorie quantique est une théorie complète. Mais là, je donne juste un exemple. Il y a des débats, il y a des correspondances entre Bohr et Einstein absolument sans fin. Et si vous voulez, pour aller encore un petit cran plus loin, vous avez encore des débats aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'interprétation de la théorie quantique. C'est comment il faut comprendre la théorie quantique. Il y a un bouquin récent de Frank Lalloway, qui est un expert, dont le titre est tout un programme, puisque c'est « Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique pour l'interrogation ?» C'est un bouquin qui a été publié il y a une dizaine d'années chez EDP Sciences. Parce qu'effectivement, la théorie quantique pose des questions auxquelles moi je suis incapable de répondre, et je vous dirai pourquoi, parce qu'en réalité, ce sont des questions de nature philosophique. Alors, il y a une autre question de Bruno, donc concernant les contributions respectives d'Heisenberg et Schrödinger. On trouve facilement sur Internet des conférences d'Alain Cohn. A réhabilité la contribution d'Heisenberg. Selon lui, la démarche de Schrödinger se serait imposée plus facilement parce que bien plus naturelle pour les physiciens de l'époque. Le langage des EDP, dont vous avez parlé, par opposition à l'abstraction des matrices. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Ce qui a rendu quand Born a reçu le travail de son étudiant Heisenberg, Born, qui pourtant connaissait déjà les matrices, a dit de ce travail. C'est mystique, mais sûrement exact. C'est pour vous dire à quel point le formalisme de Heisenberg était en un sens abscon. Alors qu'en effet, le formalisme de Schrödinger s'appuie sur les équations dérivées partielles, les EDP, et effectivement tous les physiciens, ou la plupart des physiciens, les connaissaient. Et donc, en quelque sorte, le travail de Schrödinger a été très bien reçu. Et c'est seulement quand Dirac a montré que les deux formalisation était en fait deux façons d'écrire la même théorie, que les physiciens ont en quelque sorte reconnu le travail d'Heisenberg. Mais à l'époque, je dirais, l'immense majorité des physiciens étaient incapables de comprendre Heisenberg. Schrödinger lui-même, comme je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, a écrit quelque part qu'il connaissait le travail de Heisenberg, mais il reculait devant le formalisme. Donc, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire, pour cette interprétation, à savoir, c'est pas que Schrödinger s'est imposé. Schrödinger, ça a été universellement accepté, en tout cas beaucoup plus facilement que Heisenberg, pour cette raison, pour prendre une image un peu vulgaire, à l'époque, les physiciens, vous connaissez ce mot de Hilbert, David Hilbert, le très très grand mathématicien, à propos de la relativité générale, il a dit « la physique est devenue trop difficile pour les physiciens ». D'accord. Je pourrais transposer un tout petit peu. La démarche de Heisenberg était trop difficile pour les physiciens. Après, les physiciens ont appris le calcul matriciel. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Et Alain Cohn, effectivement, j'ai vu des conférences d'Alain Cohn, effectivement, et il a tout à fait raison de dire que le problème, c'était effectivement le caractère abscon des matrices pour la plupart des physiciens de l'époque. Alors, Michael, vous remercie pour De Broglie, très bien. Et la question de Christophe, vous avez avancé tout à l'heure, les pères fondateurs de la quantique ont-ils été sensibles aux idées introduites par les groupes de symétrie? Alors, les pères fondateurs, non, pas à ma connaissance en tout cas. Par la suite, on s'est aperçu que la théorie des groupes, effectivement, jouait un rôle important dans le développement du formalisme quantique. Mais on ne peut pas dire que les pères fondateurs, je me demande même si les pères fondateurs connaissaient la théorie des groupes. C'est une question que je pose. D'accord ? Ça vous va ? Alors, Richard M. me dit, est-ce que l'intrication est une téléportation ? Alors, la formulation n'est pas tout à fait correcte. Ce que je peux dire, c'est que la téléportation repose sur le phénomène d'intrication. S'il n'y avait pas d'intrication, il n'y aurait pas de téléportation possible. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que l'intrication. Ce ne sera pas long à expliquer, mais... Alors, j'en viens à la question de Sylvie. C'est beau clair, d'ailleurs.
Alors, la longueur d'onde de Breuil s'appelle aussi ainsi dans d'autres langues ou a-t-elle un autre non, nom? Non, en général, on parle de Breuil Wavelength. Non, non. Toujours pas, d'accord. Ouais. Bon, alors après, il y avait Yves, alors c'est pas moi, hein, mais. Oui, d'accord. Qui s'est introduit. Il répond à votre question tout à l'heure de. Par rapport à la première question qu'il avait posée concernant le pourtant, pourquoi Ah oui, d'accord. Et pourtant, oui. C'est tout de même Heisenberg qui a formalisé. Ah oui, oui, oui. Non, mais si vous voulez, l'oubli entre guillemets de Heisenberg, que moi je dénonce toujours à toute occasion, c'est une injustice flagrante parce qu'en effet, Heisenberg est, je répète, si on doit désigner un père fondateur de la théorie quantique, c'est Heisenberg. Donc c'est vrai que qu'il a été un peu mis sur le côté à une certaine époque, j'espère qu'il l'est de moins en moins, c'est une très grande injustice. Quoi. Il a formulé, le principe d'incertitude de Heisenberg, comme on l'appelle parfois, oui, c'est l'une des conséquences de ses propres équations, bien sûr. Alors j'ajoute que nouveau considération historique, Heisenberg, alors les historiens ne sont pas d'accord. Hein. Vous savez bien que le régime allemand a essayé pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, a essayé de développer l'arme atomique. D'accord ? Heisenberg, lui, était resté en Allemagne. Donc, certains considèrent que Heisenberg a joué un rôle dans le développement des recherches, des recherches des nazis sur l'arme nucléaire. Bon, ce qui n'était pas un crime en soi, hein, parce qu'il d'abord il n'a pas été le seul, mais c'est vrai que parfois il y a des gens qui sont un peu critiques pour cette raison. Je vous recommande également un autre livre tout à fait remarquable qui s'appelle l'opération Epsilon. Après la guerre, une fois que les soviétiques et les alliés les Américains sont rentrés à Berlin, ils ont raflé au passage pas seulement des œuvres d'art, ils ont raflé aussi des physiciens. D'accord ? Et les Alliés ont emmené avec eux, comme ça, une dizaine ou une quinzaine de physiciens allemands qu'ils ont enfermés dans une grande bâtisse à côté d'Oxford, qui s'appelle Farm Hall, et ils ont enregistré toutes leurs conversations. Toutes leurs conversations. C'était pour essayer de leur tirer les vers du nez, comme on dit vulgairement. Et là, il se trouve que tous ces enregistrements, ça a été enregistré, ça a été retranscrit, et ça s'appelle l'opération Epsilon. Et je vous invite à parcourir ce bouquin, parce que c'est passionnant à lire, et notamment, la partie la plus passionnante, c'est quand le 6 août 1945, ils apprennent Hiroshima, ils sont complètement ahuris. C'est-à-dire, en fait, Heisenberg dit, mais comment ont-ils fait ? Parce que il y avait tellement de difficultés techniques que Heisenberg, en quelque sorte, je ne sais pas qu'il n'y croyait pas, bien évidemment, mais il se posait la question, comment ont-ils fait pour, en si peu de temps, fabriquer cette arme ? Donc, vous voyez, l'implication de Heisenberg l'éventuelle implication de Heisenberg dans le développement de l'arme nucléaire sous le régime nazi est aussi quelque chose qui vient parfois ternir un tout petit peu l'image qu'on a de Heisenberg. Alors que je répète que lui et d'autres très grands physiciens sont restés en Allemagne pour des raisons. Max Planck, par exemple. Je vous recommande de lire la biographie de Max Planck par Rahel Braun. C'est remarquable, c'est remarquable. Le sous-titre, c'est je l'ai oublié. Donc, peu importe. En tout cas, Max Planck, lui, est resté partout, pas tout le temps en Allemagne. Il était l'équivalent du président de la société de physique ou de l'académie, je ne sais pas. Et pour lui, il fallait à tout prix sauver la physique. Et ça l'a déchiré toute sa vie jusqu'à sa mort, parce qu'effectivement, il est resté en Allemagne. Mais lui aussi n'est absolument pas soupçonnable d'implication dans le régime nazi, bien évidemment. Heisenberg, c'est moins clair parce que il réfléchissait sur l'arme nucléaire aussi. Et donc ça, c'est. Il faut se souvenir que cette période a été, baignée dans une période historiquement très très difficile. Quand on a taxé quand on a qualifié
les travaux d'Einstein de physique juive, quand Einstein a été obligé de s'exiler, enfin, vous imaginez que les rapports étaient parfois d'une violence extrême. Alors, oui. Une question, enfin dernière, je ne sais pas, mais ah non, une question suivante de Gabriel. Pour revenir à la stabilité de l'atome, ok pour un état fondamental d'énergie minimale, mais quid des équations de Maxwell valides qui donneraient une perte d'énergie? Alors, ça, c'est. Les équations de Maxwell, il a fallu les revisiter à la lumière de la théorie quantique. Vous êtes d'accord? Les équations de Maxwell, c'est 1850. Évidemment, elles ne prennent aucunement en compte la théorie quantique. Donc, une fois que la théorie quantique est arrivée, ben, il a fallu bâtir l'électromagnétisme quantique. C'est ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique. Et bien évidemment, tout se tient. C'est-à-dire que il n'y a pas de souci vis-à-vis de la perte d'énergie d'une particule accélérée. Non, non, vous inquiétez pas, tout ça, ça tient debout pour l'instant. Les équations de Maxwell, si vous voulez, bon, moi je me souviens, hein, j'étais nettement plus jeune, c'était en 73. Hein, Cohen Tanoulji a donné son premier cours au Collège de France, moi j'y étais, et le titre du premier cours, c'est « Relecture des équations de Maxwell en termes quantiques ». Donc, on sait le faire. Il n'y a pas de contradiction du tout entre le fait qu'il existe un état fondamental et les équations de Maxwell, qui, évidemment, au niveau macroscopique, ces équations suffisent. Si vous voulez calculer l'indice d'absorption d'une fibre optique, ça vous suffit. Hein. Bon. Mais dès que vous voulez regarder de près l'interaction rayonnement-matière, là, bien évidemment, il faut utiliser l'électrodynamique quantique, quelque chose de très compliqué. Et il n'y a absolument aucune contradiction. Alors, pouvez-vous quand même nous parler rapidement de l'intrication? D'accord, oui, je peux en parler rapidement, ça c'est jamais difficile. En quoi ça consiste? Et ce que je vais dire est une conséquence immédiate de l'équation de Schrödinger. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause cette conséquence, parce que l'équation de Schrödinger, par ailleurs, explique tout. Ce que vous dit l'équation de Schrödinger, notamment, c'est que quand deux systèmes ont interagi, se sont vus, on ne peut plus les séparer. C'est-à-dire qu'ils forment un tout, qu'on ne peut pas couper un morceau. Vous imaginez deux particules qui partent à l'infini l'une de l'autre, vous les faites entrer en collision, elles repartent à l'infini, entre guillemets. Eh bien, une fois qu'elles sont parties à l'infini, elles continuent à former un système unique qu'on ne peut pas couper en morceaux. C'est ça, l'intrication. Bien évidemment, c'est quelque chose qui paraît hallucinant. Et d'ailleurs, on a envie de se dire, c'est du pipeau tout ça, parce que moi, je sais bien que ma copine que j'ai perdue il y a 20 ans, on s'est beaucoup aimé, mais finalement, c'est fini. Oui, mais là encore, il faut toujours relativiser les choses, bien évidemment. Quand je vous dis que deux particules qui se sont vues et qui se sont séparées sont désormais inséparables, ça veut dire que par la suite, il ne leur arrive rien qui puisse briser leur non-séparabilité. Hein. Donc, il faut toujours, en physique, il faut toujours mettre des échelles, hein, bien évidemment. Donc, l'idée de non-séparabilité, hein, qui repose sur la notion d'intrication, elle est vraie. On l'a vérifié au laboratoire, mais quand je vous disais que Nicolas Gisin a réussi le premier à la réaliser au labo sur 10 mètres, 5 mètres de distance, oui, parce qu'après, il y avait des problèmes. Bon, après, il l'a fait avec des fibres optiques. Pourquoi? Parce que dans les fibres optiques, les photons que vous intriquez au départ sont beaucoup moins. Les fibres optiques transmettent beaucoup mieux les photons, bien évidemment, que si les photons se promenaient dans l'atmosphère terrestre, bien évidemment. Donc, vous voyez, et puis, plus vous donnez au système intriqué des occasions, entre guillemets, de se désintriquer par des perturbations que vous ne contrôlez pas, par exemple, bien évidemment,
la non-séparabilité va disparaître. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, c'est l'un des obstacles sur le chemin de l'ordinateur quantique. Donc c'est ça l'intrication. L'intrication, c'est la non-séparabilité, qui repose aussi sur la notion de non-localité. Ce sont les notions que, toute notion que, qui était acceptée comme des dogmes en physique classique et que la théorie quantique a mis à bas, en quelque sorte. Voilà. Mais si vous cherchez, vous allez sur le web, ou sur Google ou sur n'importe où, vous cherchez intrication, là vous allez tomber sur 53 227 références, hein, bien évidemment. Alors, d'autres questions? Oui. Je crois que... Non, Gabriel. Il y a une remarque de Gabriel. Bon, très bien. Ben, j'espère que ça lui a remis les idées un peu en place. Voilà. Et bon, ben, je ne vois pas d'autres questions. Elles ont été nombreuses et riches. Et oui, variées. Oui, oui. Quoi dire de plus? Je pense que on n'a plus qu'à vous remercier infiniment pour cette présentation très intéressante, très riche. Vous rappelez que tout ce que j'ai raconté, là, est développé dans l'autre document. Hein, oui, alors. Donc, pour ceux qui sont encore en ligne, hein, vous pouvez télécharger donc, les documents. S'il y a un souci, alors moi d'ailleurs, je m'aperçois que je ne les ai pas téléchargés. Donc, s'il y a un souci, je les récupère et je pourrais vous les fournir dans un deuxième temps. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, tous les participants, à me renvoyer un message. Pourrait poser des questions en différé à Claude, si vous voulez. Oui, bien sûr. D'accord. Vous pouvez leur communiquer mon adresse mail. Hein, d'accord. Hein, s'ils veulent me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, bien sûr. Et puis en même temps, je redonnerai les coordonnées de votre blog et puis de votre site. Ah oui, si vous voulez. D'accord. Que j'ai feuilleté avec grand intérêt. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à tous. Et j'annonce à nouveau, enfin, je rappelle que la prochaine sera donnée, donc la prochaine visioconférence sera donnée par Jean-Michel Lamarre de l'Observatoire de Paris-Meudon sur une expérience qui date, mais qui a été passionnante à l'époque. C'est en 84. C'était la mission Émilie au pôle sud. Donc, c'est de l'astronomie en Antarctique. Voilà. Donc, mardi 23, si tout se passe bien. Voilà. Et écoutez, merci à tous. Et merci, Claude. On peut peut-être rester en ligne juste après, 2 minutes. Oui. En tout cas, à bientôt pour tout le monde. Je regarde s'il ne reste pas. Oui, non, il y a quelques remarques intéressantes et des remerciements dans le chat. Voilà, je crois qu'on a fini avec les questions. Merci. Voilà.